Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Borderlands et on débarque à l'Arche, on y est presque a priori, The Forgotten Basilica, la basilique oubliée. C'est parti, trouvez l'Arche, Maya est déjà là. What the fuck? Lilith, on y est. Maya, Ava est partie. Les descendants arrivent de partout, je capte mal. Oh merde. Bon, eh bien, on va devoir se débrouiller. T'inquiète, t'inquiète. On y va, on y va. Ça va bien se passer. Wow. Je suis dans Apex. Wow. J'aurais jamais cru entrer dans une nouvelle arche. Je suis pas fâché d'être venu. Quand tu penses à tous ces gens à la surface qui vivent tranquillement, prépare-toi. La créature que les Éridiens ont enfermée à l'intérieur de l'arche dormait depuis des millénaires. Oh putain. Ça m'étonnerait qu'elle se lève du bon pied. Là, cette arche, c'est l'entrée. Place la clé dans le piédestal. C'est parti, les amis. Tout le monde s'excite. C'est parti. Cinématique. Pas content, The Rampager. La furie. Mais je vais lui péter le cul, il va rien comprendre. Vas-y, tank pour moi, Lilith. Oh le génie. Le génie du combat de boss. Il est blessé, frappe fort. Là, je crois que j'ai frappé fort. Au secours ! He is not happy. Ok. Digiclone 2, le retour. On peut crier quand il ouvre la bouche. En cher, quand même. Je me téléporte. Il est blessé. Frappe-le avec tout ce que t'as. Ah, je sais pas s'il faut que je le frappe avec ça ou avec ça. Allez, mi-life. Nerf. Wouhou. Putain de merde. C'est vrai qu'il y a des spectres. Calme-toi. Merci. Bon. Digiclone, le retour. J'espère que ça soutient rien d'important. Bah c'est sûr, un pilier, hein. Ça sert à rien, hein. Coucou, mon pote. Les becs d'énergie là, bon, on va quand même avoir ça. C'est bon, encore une demi-barre et je suis sûr on le fait tomber dans un truc où il va falloir encore le bourrer. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on y va. Allez, approche un peu. Ça va, les sprites on les démolit maintenant. Ils sont beaucoup plus fragiles. Je suis né pour ça. Il est insensible. Putain, j'ai cru qu'il me courait après. Ouais, je sais pas, faut peut-être détruire les trucs là. A mon avis, ça doit être ça. Hein. Faut essayer d'en tuer parce qu'il régène peut-être. Plus tu le laisses en aspirer, plus il régène peut-être.
Y'a plus. Oui, t'es pas content, on a compris. Il est de nouveau plus insensible. What the fuck? Ce machin est en train de tout démolir! Il est où? Mais il est où? C'est quoi cette face chelou? Il est en train de tout détruire! Du moment qu'il me retombe pas dessus, moi ça me va. C'est pris pour une grenouille! C'est pris pour une grenouille le truc! Digiclone! Il est où? C'est ce qu'on a un laps de temps pour le tuer ou après on y arrive plus? Elle rigole! On s'avance, on sort bien. Quasiment mort. Bon exercice de tracking. Merde! Il faut que je tue un spectre. C'est bon. C'est bon, ça va. Je vais remettre mon digiclone, j'ai peur quand même, parce qu'il m'a quand même pas mal burst la gueule. Il tire sur moi ou il tire sur le digiclone? Frappe fort, c'est parti! Prend quand même du temps. Hein. Merde, avec les éboulements, c'est chaud. Alors, je le finisse ou je vais encore crever? Oh, c'est chaud. Faut que je laisse les spectres en vie. Ça, si je prends trop cher, je pourrais me ressusciter. Digiclone, peut-être la dernière fois que j'ai à l'utiliser pour le boss. C'est bon, il est mort. Mais mon pote, niveau 23, et boum. Super sympa, ce boss. Bien aimé. J'en crois pas mes yeux. C'était une vraie démonstration de brutasserie. Sérieusement, bravo. Oh. Putain, c'était trop génial. Qu'est-ce qui est fou? Ava, je t'avais dit d'attendre sur le vaisseau. C'est trop dangereux ici. Mais moi, je voulais voir une arche en vrai. Oh merde, regarde ça. Ava, t'es pas encore chasseur de l'arche. C'est plus compliqué que de foncer tête baissée vers le danger. Ouais, ok, grave. Écoute, tu devrais entrer. Prends ton temps. Je dois avoir une petite discussion avec mon apprenti. Je vais piller sa mère. C'est hyper vieux ici, genre au moins 100 ans. Peut-être même 200 ans. Putain, ça fait mal, ça. Ava, il faut qu'on parle. Je ne plaisante pas. Ouais, je sais, c'est clair. Ne touche à rien du tout. Non. Piller l'arche. Piller l'arche. Entrez dans l'arche, c'est parti. Arche de la furie. Oh putain de merde. Chasseur de l'arche, vous m'entendez? Pas de panique, je teste simplement un nouvel appareil de communication basé sur les pouvoirs de Lilith. Ah ouais. Il semblerait que l'écho ne puisse pas franchir les limites de l'arche, alors je n'ai pas d'autre choix. Je suis curieuse de savoir ce que vous allez trouver à l'intérieur. Oh putain. 274. 240 x 2. On prend. Ensuite, ici. Une grenade 210. Un pistolet à 260. Il n'y a pas de truc au-delà de 300 pour le moment. Pas de truc au-delà de 300 pour le moment. C'est parti! Let's go! Non, faut pas appuyer sur un truc là? Si. Un gadget alien! Ouais!
La carte des arches ne nous a pas conduits ici pour rien. Cet appareil doit avoir son importance. Ok. Ça fait peur quand même. J'espère qu'ils sont contents. Là. Qu'est-ce que vous cachez ? Oh. Putain, jackpot ! Non, cette arche est liée à une autre par un ancien conduit énergétique. Ses coordonnées sont celles d'Eden 6. Bravo, chasseur de l'arche. Nous avons notre destination suivante. Récupérez Maya et son élève Trublion et revenez au vaisseau. Ok. Ok, ok. Y'a aucun rien, quoi. Vous pouvez pas me filer une arme, là. Bon, mon attaque corps à corps, elle est un peu stylée. Mais on voudrait une arme à plus de 300, là. Ouais, surtout des trucs pas bleus, verts quoi. Allez, on repart, retournez voir Maya, let's go. Piu piu. Donc ça c'est ma première arme. Là c'est celle qu'on connaît bien. Ok. Ça c'est stylé aussi. Et est-ce qu'on a un changement de tir? Non. Que dalle. Sortir de l'arche. Alors, tiens Maya, quoi de neuf? Ava, j'essaie juste de te protéger. Comme ça, en m'abandonnant sur le vaisseau? T'as dit que je pourrais être chasseur de l'arche comme toi. T'avais promis. Mais oui. Quand tu seras prête. Putain. Salut les biatchs. Oh, Troy, regarde ce qu'ils nous ont laissé. Oh, yeah, yeah, yeah. Merci d'avoir fait le sale boulot. Merde, les rapaces ont vraiment le cerveau dans la gâchette. Continue comme ça et je serai vraiment une déesse. On sera des dieux. C'est ce que j'ai dit. Allez, laisse-moi faire mon boulot. On prend ce qui nous revient. Parce que les monstres ne protègent pas le pouvoir des arches. Ils sont le pouvoir des arches. Et maintenant, il est à moi. Hé, hey, t'en gardes un peu pour le parasite. Chelou. On s'en va. Maintenant. On devrait plutôt leur défoncer le cul. Ouais, je crois que ce soit pas possible maintenant là. On se casse. On se casse, cassons vite. On se barre, vite. C'est personne. C'est moi ton problème. Je vais devenir une sirène et puis je retapisserai les murs avec vos gueules de con. Ah ouais? Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Ah ma pauvre, c'est pas comme si t'allais ressortir d'ici. Oh putain. Lâche-la. C'est bon. C'est ce que je pensais. Lui aussi peut lui voler. Ava. Non. Oh putain, c'est mal barré. Sois prête. Non. Ah, il a quand même des pouvoirs, ouais. Mais c'est pas grâce à elle, c'est grâce à sa sœur, quoi. Je croyais qu'il y avait que moi qui pouvait te nourrir. Faut croire que c'est toutes les sirènes. Allez, on a eu ce qu'on voulait. Ouais. Et même plus que ça. Mais tu sais, si jamais ça se concrétise ton histoire de sirène. Putain de merde. Aïe aïe aïe.
Dur. Ça, c'était pile laps de temps où on était parti dans l'arche. Maya, elle est morte. Prenez la fille et revenez au vaisseau. Je vais prévenir Lilith. Oh. Désolé, mais il y a une arme stylée là. 94 de dégâts. Elle fait moins, hein. Elle fait plus que celle-ci. Un jour, Maya m'a puni 2 semaines pour avoir volé l'œil de verre d'un moine. Je dois toujours la voir quelque part. Elle est morte. Maya est morte. Hé, hey, faut vraiment qu'on y aille. Allez, zo. On est parti. Faut vraiment qu'on y aille. Grenade 129, bouclier 108. Cherche un bouclier un peu mieux. Récupérer des trucs. 210, c'est des grenades. 220, là c'est pas mal. 40 capacité, plus 42 capacité, moins 10 de santé max en cas de dégâts, 15% de chance de gagner. Où j'équipe ce genre de truc, sans doute. Dégâts des coups critiques, arme Jacob, plus 21%. Bon, faut déjà savoir ce que c'est qu'une arme Jacob. Là j'ai plus ou moins de boucliers. Ah, j'ai beaucoup moins de boucliers. Je préfère peut-être garder l'ancien. Hein. C'est-à-dire c'était celui là. Je préfère avoir beaucoup de boucliers. C'est quand même très solide le bouclier. Ok, retournons sur le sanctuary par la Lilith. Putain, c'est ouf, les sirènes ils sont tous défoncés. C'est dégueulasse, on n'a pas mérité ça. Aïe aïe aïe. Lilith qui perd ses pouvoirs, Maya qui se fait défoncer. Oh là là, c'est trop dur. C'est trop dur. Aïe 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 aïe. Chasseur de l'arche, on est sur le pont. Let's go. C'est parti. Fonçons sur le pont. Let's go. C'est parti. On y monte. On monte sur le pont, c'est parti. Let's go. On y est. Attends, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Plus personne dans le vaisseau. Voilà. Désolé pour tout ça. T'aurais rien pu faire. Merci d'avoir ramené Ava en un seul morceau. Il reste quand même des gens. Lilith, vous devriez faire un discours. Bon, d'accord, je me dévoue. J'ai bien connu Maya de son vivant. Je la préférais vivante. Vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est morte, et c'est la vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est se battre pour honorer sa mémoire du mieux qu'on pourra. Les guerres font des morts, par milliers. Je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Ne me demandez pas de parler à votre enterrement, Lilith. Comptez sur moi, Tanis. Vous pouvez. Je sais ce que je suis. Une scientifique brillante et froide. Et vous savez ce que vous êtes. Parce que tout le monde sur ce vaisseau attend que vous disiez quelque chose. Et tant que vous vous tairez, ils ne pourront pas reprendre leur travail pour empêcher ce débris flottant de dériver dans l'espace. Maya était plus qu'un pillard écarlate ou un chasseur de l'arche. C'était ma famille. Mais on ne doit pas perdre de vue notre mission. On va ouvrir ces arches. C'est la seule façon de donner du sens à sa mort. Et maintenant, tout le monde à son poste. Ouvrir ces arches? C'est tout ce que tu trouves à dire? Maya est morte parce que tu voulais ouvrir les arches. On devrait être en train de traquer les Calypso pour leur faire payer ce qu'ils ont fait. C'est pas aussi simple. Maya disait toujours qu'un chasseur de l'arche court vers le danger. Elle arrêtait pas de parler de toi. T'as sauvé Pandore. T'as tué le beau Jack. T'es censé être le faucon ardent. Je ne sais pas ce que je suis. Eh ben réfléchis, Lilith. Oh putain. Va voir si elle va bien, d'accord? Moi, je vais nous préparer à rejoindre Eden 6. Ok, c'est parti. 2 objectifs.
Vous avez reçu un objectif de mission optionnel. Vous gagnerez des récompenses bonus en remplissant ces objectifs. Je vais aller voir Maya. Ava. Let's go. Ava, c'est toi. Oui. J'ai pas grand chose à dire, tu sais. C'est la guerre. Les gens meurent. Un jour, quand tu seras plus grande, on se collera une bonne murge, toi et moi. Et on chantera ses exploits jusqu'à en vomir. Merci. Rien t'obligeait à venir me parler, mais... Je suis contente que tu l'aies fait. Tiens, c'était à elle. Je suis sûre qu'elle voudrait que ça te revienne. Ils doivent être en train de se préparer à rejoindre Eden 6. Tu devrais y aller. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule, là. Ok, c'est parti. C'est parti. Let's go. Allons sur Eden 6. Hop. Chasseur de l'Arche. Bien, te voilà. On doit mettre le cap sur Eden 6. Pas une seconde à perdre. Lilith, on reçoit une transmission. Vas-y, let's go. Quoi encore? Salut les... Ah. Ah. Ok. Y a rien ni personne qui compte pour des pourritures pareilles. Et c'est bien ça qui les rend extrêmement dangereux. D'après Tani, l'Arche de Prométhée était reliée à celle d'Eden 6. Si les Calypso veulent mettre la main sur cette Arche, ces monstres vont devoir nous passer sur le corps. Et heureusement, on a un ami sur la planète. Claptrap, okay. Mets-nous en contact avec... J'ai eu une récompense bonus, mais je crois que j'ai un loot à récupérer là. Pas sûr, mais ok. Pendentif d'armes. Temps. Plus temps à dégainer, plus de précision d'armes Tedio. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, let's go, hein. Allons sur Prométhée. Nous sommes déjà à Prométhée. Allez à Wayne White. Il est où? Ah. Ok. Ok, donc pour y aller. Les descendants de l'Arche sont déjà sur Eden 6. Toi, va retrouver Wayne White Jacobs et essaie de voir ce qui se passe là-bas. Ah non, mais il faut aller sur Eden 6. Donc Eden 6, c'est là. C'est parti! Let's go le vaisseau! C'est parti! Ça tourne! C'est quand même classe. Même si c'est peu probable que ça fonctionne comme ça. Allez, let's go. C'est parti pour y aller, utiliser le module. Donc faut aller à l'autre bout du vaisseau. Ah non, on me donne une quête là. J'ai une quéquette là en bas là. Salut. Il y a quelqu'un qui m'a dit il faut que t'arrêtes d'utiliser cette expression. Oh ça va hein. T'es stressé. Bravo chasseur de l'Arche. Oh il est stylé. Vous avez trouvé Maurice. Vous allez maintenant accomplir une mission pour lui. Avec à la clé une alléchante récompense. Ok. J'accepte rarement les missions des dinosaures. Le dernier m'a fait un chèque en bois. Là d'où vient Maurice. Les Sauriens règnent en maître et l'humanité s'est éteinte. Votre scientifique Tanis s'est proposé d'héberger Maurice dans le cadre de ce qu'elle appelle un programme d'échange culturel. Maurice est venu en paix étudier les traditions et festivités étranges des êtres à sang chaud. Vous racontez absolument n'importe quoi. Mais je vous aime déjà.
Bon alors, c'est quoi cette mission? Oui, Maurice a une mission tout à fait alléchante à vous proposer. J'ai même pas l'impression que ça soit là qu'il fallait que je... La récolte sanglante a commencé. Les humains adorent les fausses petites terreurs festives. Mais Maurice a entendu parler de véritables apparitions spectrales dans la galaxie. Il faut les étudier. Maurice vous demande un fantôme. J'ai pas peur des fantômes. Dites-moi juste où aller. Des ennemis hantés sont apparus dans toute la galaxie. Vous allez les chercher, les tuer et vaincre le fantôme intrus. Ah non, c'est bon. C'est le module. Floodmore Beast Basin. Eden 6. C'est parti. C'est parti les petits gars. Let's go. C'est la nouvelle arche ça? Ok. Dépenser des points dans l'arbre. Ah, c'est vrai que j'ai un point dans l'arbre. Nouvelle, nouveau biome. Eden 6. Stylé avec les petits singes. Bonjour, bonjour, nous sommes arrivés au saloon. Chasseur de l'Arche, j'aurais aimé vous offrir un accueil sur Eden 6 plus digne des Jacobs. Mais ces diables de DDA sont partout. Nous nous sommes réfugiés dans le chalet familial avec quelques survivants. Les vivres se font rares et nous sommes encerclés. J'ai besoin de votre aide. J'arrive. J'arrive, je regardais juste de l'autre côté. Voir s'il y avait des trucs. Ok, let's go, c'est parti. Nouveau biome, ultra stylé, entre la modernité et le western, j'ai l'impression. Il y avait un saloon, donc saloon, ça fait très western. C'est parti. On va voir, on va découvrir ça. Et on va sans doute se taper des premiers ennemis. Oh putain, d'accord. Quelle bande de fanatiques! La société Jacobs a survécu 300 ans, mais ces horribles TDA se sont répandus dans toute la galaxie comme un fléau. Et tout ça sous les ordres de ces rats vulgaires. Ah, c'est quand même de bon, les gars. Ils ont assassiné mon père parce qu'il refusait de leur donner notre arche. Et maintenant, ils s'en prennent à moi. T'inquiète, on va leur faire le cul. Prenons la petite quête ici. Bonjour. Bon, et ben voilà. Mettez un terme au règne du terreur de l'inquisiteur Gorflap et de son sang. Et de son grand, pardon. Ok, d'accord. Nouveau véhicule. On peut partir sur un nouveau véhicule, oui. Je vais prendre plutôt ce véhicule-là. Ça me semble beaucoup plus intéressant. Alors, nous avons une petite quête secondaire à faire. Et nous avons notre petit point à attribuer. Comme camion de l'infamie. Parlez à Myler. Ouais, l'inquisiteur, c'est bien ça. Ensuite, au niveau des points, nous avons un point en plus à mettre là. On est tranquillou, pilou. Ah, parler à Myler. Myler, c'est là. Oups. J'ai glissé, chef. J'ai failli glisser. Myler, il est là. Écoutez, vous devez nous aider à arrêter ce monstre. On y va. Je l'ai appelé l'inquisiteur Gorflap. Cet enfant de salaud a tué mon meilleur ami, Coupe. Gorflap et son gang sont complètement déchaînés. Ils massacrent les civils innocents d'Eden 6 à tour de bras. Au nom de ces démons de Calypso, il faut que vous m'aidiez à venger Coupe et tous les autres. Trouvez-vous un véhicule et mettez-vous en chasse. Let's go. Si vous voulez que l'inquisiteur se montre, vous allez devoir éliminer son gang pour l'énerver suffisamment. N'ayez aucune pitié. Ça j'aime bien faire. Oh, On était là, Coupe et moi, à bosser tranquillement à la série Jacobs, quand ces tarés de TDA se sont pointés comme sortis de nulle part. En racontant qu'ils cherchaient l'arche des Jacobs. Et là, ils se mettent à nous traiter d'hérétiques ou je sais pas quoi et à massacrer tout le monde. C'est de la folie, de la pure folie. T'inquiète. Heureusement pour vous, saute. 200 dollars là-dessus. Ah mais oh, ils sont en train de défoncer mon... Ouais, bah vous allez pas faire les malins très longtemps, vous allez voir. Ouais, ça dégage. Viens là, viens là, viens là.
Boum, salut H. Exterminer le gang de Gorflap. 1 sur 2. Oh, je vais reprendre un véhicule. Je m'occupe des deux gangs. Non, je vais sans doute faire une petite pause. On se retrouve dans 2 jours pour la suite de Borderlands. Comme d'habitude, j'essaie de faire des épisodes de 1 demi-heure. Comme ça, c'est chill, c'est tranquille. Plutôt qu'un épisode d'1 heure qui est peut-être un peu trop long à regarder. On se retrouve dans 2 jours pour la suite du prochain épisode de Borderlands 3. Nous sommes sur Eden 6, une nouvelle planète. Je suis dégoûté d'avoir perdu Bayer. Je suis triste parce que c'était un de mes personnages préférés. Dommage, c'est Valo. Et bah, on se retrouve tout de suite. Allez, salut tout le monde! À dans 2 jours!